Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de tenir cette assemblée générale extraordinaire, d'informer nos camarades et puis voir la suite des événements, c'est-à-dire la poursuite de nos actions, c'est-à-dire la grève en cours. Le principal qui intéresse beaucoup le personnel, ça c'est le taux sur le prêt. Tant que le problème de taux n'est pas réglé, on ne peut pas prétendre à nous envoyer un DSA ici. On a des Maliens qui sont compétents, qui peuvent jouer ce rôle. Et pour preuve, quand le DSA s'absente, c'est les Maliens qui assurent l'intérim. Ça fait un an qu'on n'a pas de DGA, mais la banque ne s'est pas arrêtée. C'est un DGA qui est là, mais les différents cadres maliens sont valables et ils assurent toujours l'intérim. On ne voit pas de raison pourquoi on va nous parachuter quelqu'un, alors qu'il y a des Maliens ici qui ont la compétence totale pour assurer.